C'est good, bienvenue sur le deuxième jour, et bien sûr Baidivix part au moment de l'intro. Yo, on est là pour les demi-finales. Donc voilà, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, ouais. On va attendre que la game se starte sur une grenouille. T'as le lien du live? Oui, j'ai le lien du live, t'inquiète pas. De formal. Si tu veux commenter. Je l'ai. Ok, nickel. Une grenouille. Ça va être intense, effectivement. On va regarder les persos, genre, on va voir si je joue tank, flanc ou dégâts, on va voir comment vous jouez. Donc, première demi-finale, premier jeu paladin. On commence direct, hein. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. T'avais dit un truc, même. Oui, alors, ils ont choisi ce jeu-là, et ils ont ban... Et ils ont ban Rocket League. Ensuite, on va jouer... Enfin... Et ensuite, Artifroy et Linus sont ban Mario, et on pique Broulala. Voilà. Alors, Broulala... Je pense que... Franchement, pour voilà, je pense qu'Ali et Artifroy vont partir favoris. Même si Formal peut faire quelque chose sur Broulala, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué sur Broulala. Val, est-ce que y a-t-il Valo ou pas? Quoi? Y a Valo ou pas? Valo, je crois que ça a été tiré, il me semble. Oui. Ça peut être serré parce que Formal peut être et bon Valo. Artifroy aussi, Raid un peu moins, Linus on verra, Linus c'est bon aussi, on va voir, ça peut être un beau match quand même Valo. On va voir qui va carry. Alors Tira, il va prendre un dégât avec Fernando le tank. Et on a Barik. Ah oui, mais non, mais je suis pas en direct, c'est pour ça. On a Barik et Victor en face. Ok, voilà. Oh, ça va jouer, ça va tous les deux jouer dégâts tank, c'est un bon choix. Enfin, c'est le meilleur choix, s'ils auraient pris des flancs ou etc, ça aurait été vraiment la merde, donc dégâts tanks, c'est vraiment la meilleure chose. Donc voilà, on va essayer le gameplay. Donc il a pris quoi? Il a pris Bulldozer. Regarde. Je sais pas si je peux faire comme ça, je regarde ce qu'ils ont pris les autres, malheureusement, on pourra pas le faire. Voilà. Fernando, il a un ulti assez cheaté, Fernando. Alors on jouait Fernando, Barik aussi. Ça peut être intéressant. Même si celui Barik, je pense qu'il est moins ouf que celui de Fernando. Donc là, ça va start. Voilà, on va commencer, attention. Et let's go. Bon, ça va aller attaquer, ça va aller sonner. Donc on joue en mode siège, donc le mode siège est très simple. D'abord il faut aller capturer une zone, il faut rester un, je sais plus combien c'est de temps. Normalement il me semble ça doit être, être à 100%. Si j'ai pas de oui donc ça doit être à 100%. Et ensuite il y a une charrette qui avance et il faut rester dessus pour que ça avance. Attention le fight est très serré, attention. Oui. Raid est très low, attention Raid qui est mort face à Art. Yo attention. C'est bon. Il faut que je enlève le barré. Artifroy est mort, attention Formal. Formal qui fait du bon boulot. Formal a fait du bon boulot, il va essayer de contrôler le point. Très bien joué de la part de Formal, il va attendre le retour de Raid. Attention parce qu'ils peuvent sauver au dernier moment. Artifroy. Donc un avantage quand même de Raid et Formal hein, sur la zone. C'est bon. Le point est capturé de la part de Formal et Raid. Et ça va avancer tranquillement avec j'ai vraiment un décalage avec Fernando qui a un très bon pouvoir pour protect, ça peut être très intéressant. Le point est pris du coup. Le point est pris par Raid et Formal. Attention. On voit le jeu au ralenti. En fait, dans je le crois... coup droit, attention avec Varric, Formal qui va peut-être décéder, c'est la mort de Formal. Ouais, t'as beaucoup d'avance par contre. Ouais. Ah merde. Attends. J'arrive sorte un petit coup. J'ai l'impression que c'est le stream qui est un peu buggy.
que le jeu il est vraiment ralenti pour moi et ça se passe jamais au direct. C'est vraiment ta coco, hein. Ah ouais? Oui. Ok, c'est bon. Moi c'est parfait. C'est un peu mal parti pour l'attaque de Forman et Red là qui vont tous les deux décéder. Non, mais après c'est pas grave, ils vont aller chercher le point. Ouais. C'est dans tous les cas, eux ils sont bien, ils vont aller chercher le point. Ouais. Attention. Oui, d'accord, s'ils ne réussissent pas l'attaque, ça change rien. Ça change, ça fait juste un point pour l'équipe de. Attends. Si il n'y a pas de conneries, normalement ça devrait faire un point pour eux ou pas. Attends. Normalement, une réussite de défense, normalement ça fait un point pour l'équipe adverse. Si je dis plus de bêtises. Ça va partir en égalité de toute façon. Attention. Ah, il tire à travers le bouclier de Red, ouais. Ça peut être intéressant à faire, mais. Ah, le bouclier de Red n'est pas rechargeable, attention. Bah alors, il est mort, oui. Ah, ouais, c'est mort. Attention, on a le Victor d'en face. Ali, qui est donc sur une série de 5. Attention. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que ça va partir en égalité. Parce que l'attaque a été très mal engagée et. Mais en fait, ils ont voulu prendre trop rapidement le point alors qu'ils avaient plus de vie, quoi. Ouais, ils auraient dû prendre leur temps, même plus return, tu dois le tuer au bon moment. On voit l'ulti de Fernando bientôt achevé, mais le problème c'est qu'on voit pas ceux d'en face, du coup on peut pas dire grand chose. Mais je vois pas d'ulti utilisé pour l'instant. Attention, ça va prendre guérison mortelle. Bah voilà, fini du coup. Et ouais, ça va être échec de du coup ça fait un, ouais, j'avais bien dit. Le problème, c'est que, en vrai, ce qui aurait été intéressant aussi, ça aurait été jouer un healer, un tank aussi. Ça aurait été très intéressant aussi à jouer sur Paladin, je pense. Un healer, un tank, ça aurait été, je pense, ça aurait été invincible. Genre un gros tank, je pense que ça aurait été aussi efficace. Après, c'est une strat à tenter. Mais tous les deux ont tenté, tous les deux équipes ont tenté un dégât et un tank. Donc on va voir la suite de la game. Si tu stream trop la coco, Coca, tu me le dis, hein, je prends le stream. Hein. Non, mais je sais pas pourquoi. J'arrive fresh. Attention, ça va partir. Attention, le barrique qui va aller devant avec son bouclier. Deux équipements en bouclier. Attention avec Victor aussi. Barry qui a mis sa tourelle. Fort mal, ouais. Je pense que. Ah, ça serait dur de perdre le jeu qu'ils ont pick quand même. Ah, bon, là, ça va être compliqué. Vraiment... Ça serait vraiment. C'est revenable, hein, mais. Faut qu'ils reviennent. En fait, ça arrive bien à récupérer le point et après, ils sont niqués. Après, je. Des fois, le moment, ça joue à rien. Les points, etc. Ça commence un peu à s'embrouiller du côté Formal Red. Ouais, il faut qu'ils aillent contest au milieu hein, s'ils veulent avoir une chance de faire quelque chose. Hein. Il faut qu'ils aillent contest. L'ulti qui a été utilisé du côté Barrick, si je ne dis pas. Mais ça aurait pas dû prendre Paladin en pic. Mmh. Ouais. Il y a un ulti qui a été utilisé sur Formal. Allez, voilà. Voilà. Ça va être dur pour être Formal. S'ils se prennent le point, ça va être chaotique. Le Victor qui pose vraiment des problèmes en face. Bah, faut qu'il essaye de contester le. Au moins pour récupérer le point, quoi. Ah, mais Red joue pas assez safe. Red ne joue pas assez safe, malheureusement. Ouais, du coup, il va rien pouvoir faire Formal, malheureusement. 2 contre 1, et attention. Donc ça va avancer tranquillement du côté Alinos Artifroid. Ils ont tous les deux les ultis, donc pourquoi pas tenter essayer de save avec les ultis. Faudrait pour eux. Hein. Bah, on voit le point, il est trop près là, ils vont se le prendre, je pense. Bah, faut qu'ils essaient de choper leur ulti parce que. Franchement, ce point est décisif hein, pour. Il y en a un qui a pris la hauteur. Pour les deux équipes. Je pense qu'elle va résumer la game vite, à moins s'il y a vraiment une remontada.
Ah, de toute façon, après, il faut que l'équipe rouge gagne sur une attaque. Hein. Enfin, gagne en prenant le point, quoi. En prenant le point au milieu, il y a juste à faire ça. Hein. Attention, mais en vrai, c'est encore tentable, c'est encore contestable. Hein. Mais il va falloir... Une minute. C'est ça qui est bien d'avoir un healer dans cette situation. C'est que tu peux vraiment... Ils ont qui tank avec le bouclier. Non, ils ont pas healer. Ouais, c'est pour ça. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il faudrait peut-être un healer... Ouais, ils auraient dû prendre un... Normal, aura pas le temps. Ah, peut-être. Non, là, ouais, c'est bon. Ah, il pourra pas aller contester, c'est l'échec. Ça va être très dur de revenir côté formal et raisonné. Et les deux n'ont plus d'outils. Oh oui, franchement, quand tu vois la série à côté, c'est un peu une humiliation là ce qui se passe. Hein. C'est 16 kills en série et 14. Ça va être très dur. Hein. Franchement, ils sont sur une bonne dynamique. Nino, c'est Artifroi. Non, mais ils jouent très bien. Nino, c'est Artifroi. Ils sont bien disposés. Formal et Red, c'est très éparpillé. Formal et Red, s'ils commencent à perdre le jeu là, je pense que ça va être chaud par après. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que Barry qui est très bien positionné, il était toujours victor dans les coins. Parce que je pense que le jeu pick sera largement reporté par. Franchement, Brolala. Ouais. Même si Formal est bon Brolala, ouais, il y a eu des ultras. Ouais. Bon, là, c'est complètement. Ça va être très compliqué. Hein. Même Brolala, si. Là, ils vont clairement perdre. Là, ils vont clairement perdre, je pense. À moi, on sait jamais, mais non, ouais, c'est mort. C'est clairement mort. Les deux jouent très bien. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion des persos côté Redouné et Formal. Ouais, bon, attention, nous avons le retour de Formal. Alors, ça va être très dur, faut créer de la high tempo au milieu. Hein. Faut créer de la milieu. Oh, bon. Je pense que la game. Ça va être très dur. Ouais, peut-être dû prendre un autre jeu Red Formal. Hein. Ouais, attention. Ils avaient beaucoup hésité avec Minecraft. Hein. J'entends. Ils auraient dû prendre Minecraft. Ouais, ouais, c'est mort. Et Minecraft. C'est perdu. Bah, la première round était pas mal pour Red Formal. Et après, ils ont choke. Ils ont mal géré, je trouve. Allez, une sortie froide. Je pense qu'ils avaient des meilleurs persos. Parce que Barak et Victor, Barak, c'était très efficace pour tout ce qui est bouclier, tourelle. Et Victor, bah ça te finit genre en instant. Hein. Il est très bon. On va pouvoir aller sur Brolala du coup. Voilà, j'arrive en mode aspect sur Brolala si vous voulez bien. Donc Victor Galinou, c'est Artifroi. Ouais, on va aller sur Brolala. Vas-y, je peux venir ou quoi? Ça me Brolala, non, ça va. Plus. Ah ouais, ils peuvent quand même gagner, bro, là, si Formal joue bien. Formal joue bien, mais franchement, les deux sont bons sur bro, là, là. Ça va être compliqué, il faut vraiment qu'ils sortent là une très bonne game, pour, je pense, pour aller les gagner. Tu me dis, bah, si on peut bah, des combos, le code, c'est parfait. Yep. Faut que je modifie ça. On va écouter... Ça va être dur hein, quand même. Ça va être très dur. On va attendre. Yobai, on part direct sur Brolala, du coup on enchaîne. Ouais, bah, allez-y, allez-y. N'oubliez pas random et tout. Bah, c'est un... Vas-y, je vais faire tout. Bon, de toute façon, on arrive en strict sur le game normalement, non? Oui, normalement, si on voit le code, c'est bon. Je reste sur le stream de Formal au cas où, même si après Brolala, il y a quoi comme jeu? Ouais, y'a risque. Valorant, je crois. Non, c'est Valorant après. Moi, Valorant, je joue au Scream. Non, mais on demandera à Alès pour Valorant de toute façon. Ok. Ok. Un téléchargement. Ouais. On va les codes. Donc 1-0 pour l'instant pour Alinus et Artifroi. Merci, merci.
Bah, vu que je suis un mec vraiment fort et tout, j'ai pas regardé les règles et tout. C'est bien 5 vies, team de 2. Oui, 5 vies, team de 2. Oui. Okay. Par contre, tu laisses les dégâts en te mate. Ouais. Comment on passe en mode spec déjà là-dessus? Faut pas appuyer. Vous voulez le code aussi, vous, du coup? Bah, non, on l'a. Moi, je suis sûr. 151-690, ouais. Non, t'inquiète, on l'a. Mais faut okay. pas appuyer pour être... Appuie sur Z, coquin. En haut à gauche. Attends, c'est quel game? Ah, mais personne. Ah, mais ils ont changé de truc. C'est le dernier. Vas-y, hop. Join. Je te renvoie la bonne, t'as qu'à y changer. Ok, je suis bien en spect. Ah bah je l'avais en plus, mec. Je l'avais en plus, j'avais mis sur pause quand il avait mis franchement. Bon. Bah il mettre en spect. Oh bah quitte deux secondes, j'ai troll. Ok, vas-y. Voilà, on garde. Appuie en gauche, d'accord. Quoi? Ouais, Z. C'est Z? Moi, shop, ça fonctionnait. Donc, Informa qui va prendre Dusk, Redoune et Wushang, Arty, Froid et Little Démon, j'imagine que c'est des... ça doit être. Alimus. Moi je connais pas les persos, je sais que bon, ce que jouait Forman et Red, mais aucune idée de ce que joue Ali et. Rayman. Ali nous joue Rayman. Rayman, c'est pas. Pourtant, c'est pas le meilleur des persos. Ah, quand c'est bien de jouer, si. Ouais. Bah, il sait tout faire en fait, Rayman. Mmh. Oh non, trop chiant le perso là, Magyar. Ok. Il y a beaucoup de def. Bon, faut attendre qu'il lance du coup. C'est moi qui ai lancé. Allez. Ok, let's go. Attention. Ok, go du coup. Attention. Rayman qui arrive à récupérer une arme. Allez, Formal qui joue Formal très avec son épée qui fait mal en vrai. Ouais, il joue très agressif pour le début. Formal joue agressif, c'est pas normal en fait. Quoi? Franchement, c'est pas son habitude. Hein. D'habitude, c'est un putain de campeur, mais bon. Par contre, Red qui met des dégâts à Formal. On rappelle que c'est le jeu à Linus Art finalement. Ouais. Ah, ça serait drôle si les deux équipes perdent sur leur jeu qui pique quoi. Ouais. Après, ça me paraît peu probable. Hein. Mais ça peut arriver. Pour l'instant, c'est serré. Juste le Rayman qui a pas pris beaucoup de dégâts. Ouais, et voilà, une vie perdue pour Red du coup. Ah, ça compte. C'est qui avait choisi le Rayman? C'est Arty. Ça va commencer à se corser. Attention, ils ont intérêt à aller égaliser. Hein. Red qui gère bien son 1 contre 1 contre le Rayman. Pour l'instant, contre Alinos du coup. Par contre, Formal, c'est un peu plus la merde. Red qui va encore perdre une vie, je crois. Première vie perdue et deuxième vie perdue pour Red. Oh! Oh, Formal! Le Rayman est rapide. Après, Rayman il se prend un coup, il meurt. Ouais, là, je pense que Red, s'il joue bien, il l'a, mais attention! Ouais. Red il se fait. Ouais, il se balade, Red. Il a mal balancé la bombe. Attention, et Formal du côté droit. Formal il se débrouille bien en vrai. Formal se débrouille très bien pour l'instant. Oh, et on a vu comment dire Rayman qui parle, du coup. Ouais, Rayman qui a tapé son premier mate. Ouais.
Désolé. Oh, c'est bon. Deuxième vie perdue en vrai pour Artie. Oh. Ça peut, eh. Formal qui réussit à. Attends, un peu quand même. Bien joué. Très bien joué. Formal, il s'est vraiment. Il s'est quand même bien train hein, sur. Ouais, oui, sur Brolala, oui, oui. Il connaissait pas du tout le jeu avant. Bon, bien joué, pas. C'est comme Scan aussi. Mais bon, il est pas là. Ouais, Formal. Formal, il y a une meilleure que Scan quand même. Oh, avant de Formal, ce qu'il a fait, c'est très bien. Ouais, bon, là, c'est encore mort pour Red. En 2-20, il y aura pas. Hein. Même ce que Red a pas assez train malheureusement. Ou n'arrive pas, ou il n'a pas trouvé son personnage Red je pense. Voilà ça se bat pour l'âme, c'est le Rayman qui l'a fait à la récup. Voilà. Oh là 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 là, ah, c'est très mal joué de Formal là parce qu'il allait directement dans le piège. Hein. Ah c'est maintenant pour Formal. Oh bien joué. Oh c'est compliqué, ça se dépasse. Non en vrai c'est Alinous qui joue le mieux pour l'instant. Il a réussi à mettre beaucoup de dégâts, perdre pas beaucoup de vie. Faut que Red essaye de survivre le plus longtemps possible je pense. Hein. Oh là là. Allez Red qui... Ah si Alinous en plus ils avaient perdu leur encart sur Brolala. Contre Romain Xécant après mais... Romain Xécant ils ont perdu. Après normal hein, tu vois les heures de train dessus Des deux, les heures de jeu, normal. Oh, ça va être compliqué pour Red, mais c'est bon, ah, voilà, il va aller un peu aider son mate. Mais Red, faut qu'il tempo. Ouais, mais Red a plus qu'une vie. Hein. Ouais, mais Red va tempo à mort, là, là, il doit pas chercher le combat. Hein. Bah, ce qu'il est en train d'essayer de faire, hein, sautant dans tous les sens. Oh là là, encore une vie perdue pour Formal, ouais, c'est fini, je pense. C'est dur. Alinous, c'est encore 4 vies. Ouais. Peut-être se focus sur Arty. On tente un 2v1. Ouais, bon, c'est mort pour Red, du coup. Red éliminé. Voilà. 2v1, du coup, pour Formal. Formal va courir comme il sait faire. Ils vont faire des petits 1v1. C'est le mieux à faire en duo. Pour éviter de se mettre des coups entre eux. Oh là 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 là! Bon, le kill est magnifique, le kill est vraiment magnifique, pardon. Formal qui va aller le chercher, lui, par contre. Ah, là, non, je pense que c'est 2v1, c'est mieux, comme ça, il. Bah, après, 2v1, ils vont se mettre beaucoup de coups, pas non plus ouf, hein. Et ce que Formal va essayer de faire, je pense, hein. Ah bon. C'est compliqué. Oh, c'est bien joué. Mal joué de la part de Rayman. Non, ouais, Formal qui fait une bonne perf quand même. Hein. Ouais, malheureusement, Red a un peu moins géré, hein. Malheureusement. Non, ouais, ils s'en sortent pas. Voilà, tu vois, là, ils essayent d'attaquer à deux, ils sont bien coup au final. Hein. C'est vraiment pas le mieux. Mais, ah, par contre, ouais, tu vas aller bon, je pense que c'est. Là, ils peuvent. C'est 5 vies contre eux. Hein. C'est... Là, c'est complètement mort. Ah ouais, il a pris des pourvus. Formal est trop proche au table des fois, malheureusement. Donc là, Arty va essayer de. J'ai appelé Alex du coup pour Valo. Hein. Ça, on peut déjà enchaîner. Du coup, ça sera un 2-0, je pense. On va sur le jeu ou on regarde un stream pour Valo ? On va sur le jeu. Valo, on va sur le jeu. Valo, ça sera une obligatoire, je pense, pour aider Formal. Oh bon. Ah voilà, ouais. En vrai, Formal peut faire quelque chose sur Valo, mais. Braki de bain, quoi. Ah, voilà, c'est fini. 2-0, du coup. Pour Linus Arty, qui pense qu'on va très bien cette demi. Hein. Pas mal, bon dégâts. Pour Red, ouais. 325, c'est dur. C'est dur. On va peut quitter. Sur Valo. Donc c'est Alinous et Arty, hein. Oui. Ok. Ah il mange de la win, hein. Je rejappelle Arty. Ok. Moi j'ai le truc. Il y a combien là?
Il y a 2-0 pour aller, nous c'est Arty. Ça va être compliqué de revenir pour être formel. Ouais. Honnêteté, c'est très dur. Pour l'instant, il y a 2-0, vraiment. Je sais pas si quelqu'un t'a répondu. Oui. Donc on va aller sur Valorant. Ils ont perdu merci sur Taka, leur du coup, je pense que tu vas rester là. Moi j'y vais, bon après. Bon après. Donc Alès ne va pas tarder. Ils ont pique. Attends. Mais du coup, c'était quoi les piques ban? Ils ont pique Paladin, ban Rocket League, et les autres ont pique Brolala, ban Mario. Attends, c'était où? Je crois que c'était. Où les une? Pour Valo. Ok. Jure 2 secondes. Ok. Alors, vous inquiétez pas, j'ai enlevé le bandeau là pour pendant la game, mais je le mets là en attendant. C'est rien, c'est un lobby. Quoi? Bonjour. Je suis là. On m'a demandé d'un bon cast. Ok. Casting Valorant. Vous avez lancé la game ou pas? Non. Je me mets directement en spec sur le jeu. Ouais, mais il y a combien de places de spec? 2, non? 2. Ouais, bah c'est plein. Ok. Bon, vous me ferez un stream du coup, Pierre. Scooter, Platin Deep 2. Voilà. On attend que Bay commence. Enfin, on attend que tout le monde arrive. Que Bay arrive. Et vite, fera un stream et on y va. Ouais. Du coup, c'était la première fois qu'il y aurait des Formel jouer à Valo depuis les jeux, non? Non, ils ont joué hier. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont joué hier en quart. Il me semble qu'ils ont joué en quart, ouais. Après, je crois que Red a perdu son duel. Duel de quoi? Enfin, sur Valo, il me semble. Après, il y a eu le cut round. S'ils ont déjà fait le cut, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas Ali dans la game, ils auraient dû se voir tuer. Du coup, ouais, est-ce que tu Platin dit 2? Ouais, j'ai attendu sur le. Merci pour les travaux. Ouais. Du coup, ça va être un peu. Je pense que ça va être plus serré qu'hier. Enfin, les matchs de Valo. Je pense que c'est peut-être le match. Un des matchs les plus serrés qu'il peut y avoir sur Valo. Parce que je pense que Formal reste meilleur que Arty dans tous les cas.
À mon avis, oui. Ah, juste, on attend juste Ali qui essaie de retrouver son mot de passe. Et Ok, nice. Voilà. Et donc, je disais. Ah non, ils l'ont gagné. Ils ont gagné, Formala, dans le quart. Ouais, ils avaient gagné face à. Il avait pique. Il avait pique. Ouais, bah normal. Genre, je pense, Formal, il peut pique contre approximativement tout le monde parce qu'il est plus ou moins capable d'un V1, d'un V2, pratiquement tout le monde. Ouais. Donc, peut-être qu'on va avoir du risque, encore une fois, aujourd'hui. C'est quoi qui a pris les trois jeux prévalents? Risk et Axe Ball. Il y a un partout là du coup? Oui. Okay. Ah non, il y a 2-0. Pour Alinus et Artis. C'était quoi les deux jeux? C'était MC. Mais en même temps, ils ont piqué MC contre. Non, ils ont piqué Paladin et. Et ils ont piqué Paladin, ouais, non. Il y a eu Paladin qui a été joué en premier et le deuxième, ils font. Vous pouvez aller voir sur le doc, il y a tout qui est marqué. Deuxième jeu, je sais pas ce qu'ils auraient pu piquer à l'IRC. Ils ont pris Brolala. Ah, oui, logique en vrai. Logique qui est 2-0 du coup. Non, je comprends pas. Le pique, Red Défense. En même temps, ils avaient pas grand chose à piquer à part Paladin en vrai, je pense. Parce que MC ils se faisaient battre pour moi. Peut-être risque en vrai. Hein. Après risque, comme le dit le jeu, c'est un peu risque de pique risque pour le jeu. T'as un petit comique toi, dis donc. Je peux pas faire le comique, mais. En vrai, ils ont pu tenter un Axe Ball, hein, je pense, honnêtement. Hein. C'est un peu 50-50 aussi, c'est pareil, c'est risqué, mais... Bah sauf que je pense qu'ils ont plus de temps de jeu qu'eux, donc en vrai... Je pense qu'ils ont été plus intelligents, pour le coup. Après, ils le jouent maintenant, donc au final, je sais pas si ça change grand-chose. Peut-être niveau mental, parce qu'ils se prennent 2-0, ils comptent pas non plus. Enfin, finissable que c'est... S'ils gagnent pas, c'est fini. Ouais. Du coup, Ali qu'on attend. En vrai, moi, je dirais un petit 13-8, je pense, pour Arty Ali, quand même. Ouais, je pense qu'Arty Ali, ils sont concentrés au niveau pour gagner. Genre, mais après, Ali, je pense que Formal, si se la donne de A à Z, il peut peut-être les enlever deux. En vrai, ça restait sur CS, il aurait pu les 1v2, mais là... Après, t'as pas mal joué quand même, mais après, enfin, il a beaucoup joué, mais il a un niveau qui est pas non plus excellent. C'est vrai que ça va être compliqué pour Formal de faire le taf, mais on sait jamais si Red... Je pense que Red va pas passer un quart d'heure. Ouais. Mais on verra. Vous pouvez même pas venir en observateur, vous, du coup. Non, il nous faut un petit stream. Grazie mille. Alors, donc on attend que Ali passe, donc. Ouais, je crois que. Il va faire le 4 rounds du coup là, j'imagine. Non, je crois que Formal et Red ont gagné le 4 rounds. Non, ils l'ont pas fait. Ok. En vrai, perso, si on commençait défense, ça aide énormément en 2v2, je pense. Il y a pas de la map. Hein. Aven, si tu commences en attaque, ça peut te mettre. Enfin, Aven. Il y a pas Aven, je suis désolé. Mais oui, du coup, c'est vrai que les défenses sur toutes les autres meufs, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il faut prévoir une strat, tu commences en attaque et en défense, c'est mieux. Par contre, évite de faire des alt tables parce que du coup ça te met à l'élection. Ta gueule. Allez, bon là ils vont prendre des fake perso comme hier. De mémoire, Formal joue Omen, donc je sais pas s'il va reprendre Omen. Non, il joue pas Omen, il a pas joué Omen hier. Hier ça a joué Reyna et... Artie qui joue Reyna. Red qui joue Raze, ok. Non mais c'est pour les picks knife, donc c'est normal. Ouais, on verra, mais... Vous savez quand il avait pris Sage hier, pour le knife. Après, pour le coup, ça n'a pas intérêt, ouais, vu que t'as pas tes spells, tu peux en profiter. Ulti Yoru. En vrai, je pense que pick Yoru face à Kuru et Ali, ça peut être intéressant, vu qu'ils n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps. Pick un nouveau perso qu'ils connaissent pas. Ça peut être une strat intéressante. Bah, c'est Formal à jouer, oui. Bah, Formal, de toute façon, Formal va prendre la bouille, je pense. Formal à jouer, sinon il n'aura pas le perso. Ouais, il n'aurait pas débloqué le perso. Ali qui pique pas. Chier, Ali.
se fait attendre. Sélectionnez un agent. Il fait Astar. Ah, bah la voix qui s'énerve. Surtout qu'on est encore au cut. Bon, pas obligé de. Prends le restart, hein. Il a du bug. Peut-être qu'il y a plus de. Ouais, t'as, je vais remander. Oh le relou. Ouais, s'il a pas piqué à mon avis, il y a du bug. Oh le relou. On doit relancer du coup. Tant pis, tant pis. Alors si il y a un souci au niveau quand il devait piquer personne ou quoi. Oui, donc c'est un relou quoi. Du coup ouais, moi je mets un petit 13-8 pour Aliarty tout de même, je pense. Ouais, ah, ouais, j'attends de voir. Red car changé. J'attends de voir si ça pique en attaque ou. Enfin, qui commence en où. On verra bien, ma foi. Après, c'est marrant, parce que gagner le 4 rounds, je pense, dans un match serré, ça peut tout donner. Voilà. Ah, tu peux t'offrir la map, tu peux t'offrir la défense ou l'attaque, c'est avantageux. Ouais. En vrai, s'ils ont activé les triches, je pense qu'ils peuvent déjà le temps du début. Ils ne l'ont pas activé, je crois. Enfin, ils l'ont pas fait, donc je pense que. Ouais, ils l'ont pas activé, ils perdront 30 secondes, c'est pas normal. On est pas à ça après. Ouais, ouais, ça. De toute façon, en général, le cut ça dure pas longtemps. Hein. Voilà, ça reste un peu au mid et c'est fini. Je sais pas pourquoi ça prend toujours autant de temps à lancer. Parce que c'est Valorant. T'as suivi comme réponse? Ouais. Je crois que oui. Et ben bénef. Allez. Oh, ils veulent. Hein. Mais je crois que c'était le jeu de toute façon, non, ça m'a pas eu. Oui, c'est tout ça le jeu. Si c'est hors connexion, c'est vrai que c'est problématique. Ah, y a du fun, hein. Voilà. Oh le 4 voir, mais... Ah non, vraiment pas. Ah, ah. Et on n'oublie pas qu'on aura un deuxième truc aussi long. Parce que c'est... Il va falloir redo la game après. Oui, que j'aille sur qui? Laisse sur Farmal pour l'instant, je pense. Oh, de toute façon, sans info, c'est le 4 round, donc au pire des cas. On va juste la mettre au mid et puis c'est le reste. Je sais pas ce que c'est en fait le cut round, parce que je connais pas. En clair, tu cut. Tu prends plutôt parce qu'en gros. Et celui qui gagne, bah il gagne le choix de la map. Et de où tu commences. Bon, c'est pas grand chose, mais il gagne quand même. Quoi. Non, c'est très important. Dans un BO1, c'est plus important que ça en a l'air. Ouais, mais je pense que Red et tout sont pas. Allez. Ah, format qui prend le coup. Oh Red devient mais fort, en fait. Devient mais les deux en HP. Ouais, Ali deux clics. No spell. Ils ont pas utilisé de spell pour le coup, je crois. Tiens, non, y'a pas eu de spell, hein. Y'a Formal qui a utilisé un spec au début du round, mais il a pensé dans le banc. Ça dure pour un 4 rounds. Dernier joueur en plus. Ah voilà, Red qui l'a pris par derrière. Ça a duré assez longtemps quand même. Non, il n'y a aucune spell à utiliser, je confirme. Ah, non, attends, je vais voir Arty. Ouais, Red a encore son E. Ah non, faut qu'il live la game. Pas l'air de vouloir non plus. Pas l'air d'être déterminé en vrai. Alors de prendre leur temps quoi. Bon, on va quitter nous aussi peut-être. Pause, parce qu'apparemment Red aurait d'a...
Je suis pour rien. C'est possible que Adeda, j'en ai parce qu'il a fait 2 kills et 2 kills ça suffit pour restart son. Pour régénérer son E. J'aurais dit quoi? Bon, je l'ai vu, bon, ça verra bien. Oui, pour l'instant c'est bon. En gros, apparemment Red aurait dash sans faire exprès. Mais il a dash sur qui? En gros, il a dash pour esquiver Ali. Oh. Donc en vrai. C'est vrai que Red a dash? Bah, ils vont se mettre d'accord, ils vont se mettre d'accord et on va voir. Attends, bah, si Red a dash, je pense, soit ils veulent être fair play et ils offrent à Kyo Ali, ou soit Kyo Ali disent bah, tant pis, c'est pas grave, et puis ils leur donnent. J'espère voilà. Que c'est pas grave. Hein. Si ils disent enfin que 30, bah en fait, on va les pendre. Allez. Red qui a toujours pas live. Hein. Parti non plus. Ok, donc moi je me dis d'accord. Vu qu'il avait dash dans le mur, il s'en foutait un peu. Ok. C'est bon. Ouais, voilà. S'il a bouffé le mur, c'est tranquille. Y a pas de choix de site. C'est juste la map. Non, tu choisis la map et le côté. Tu choisis la map et le côté. Ah, mais nous on avait pas fait ça la dernière fois. Ah bah. C'est ça. C'est fait. Bon, de toute façon, la dernière fois, c'est pas comme si vous avez gagné Phrase 2. Pas non plus. Du coup, je pense que Format va choisir défenseur. Après, sur quelle map? Je sais pas. Format, s'il joue Guru, je vois bien jouer sur Icebox. Hein. Format, c'est une merde. Ah, et bah voilà, c'est pour ça hein, que je dis Icebox. Oui. Bah, s'il veut leur casser les couilles et s'il sait très bien que ça fait longtemps qu'ils ont pas joué, il va prendre Icebox. Hein. Arty a déjà joué il y a pas longtemps. Ali, beaucoup moins. Oh bah non. Bon, si vous regardez Ascent, ça a l'air d'être comme ça. Hein. Ascent, si Arty joue Cypher, je suis mitigé en vrai. Je. C'est plus Ali que. Enfin, hier en tout cas, c'est Ali. Oui, ou Ali, oui, Ali, pardon. Mais c'était Ali que je sais faire hier. Alors, on a chez direct sur notre demi, c'est à 3-0 ou on attend 16h? Non, on attend 16h, je pense. Enfin, Nyanya n'est pas là avant 16h, de toute façon. Ok. Si, ouais, d'accord. Parce que... Si Nyanya est là, oui, si Nyanya n'est pas là, bah, ça va être compliqué, quoi. Bah, d'ailleurs, pour faire venir Mira. Yes. En poids, hein, c'est. Moi, c'est moi, je dis pas non. Si elle a pas désinstallé les jeux. Non, mais non, vraiment non. Hein. J'en ai marre de changer tout le truc. Donc là, c'est en demi, quoi. C'est vrai. Après allez. Bon, on ne parlera pas des gens qui ne veulent pas jouer l'écart alors qu'ils sont qualifiés, hein Loulou. Ah. Il y a des clins d'œil qui sont adressés. En même temps je crois qu'il est vraiment pas double jeu. Pourtant il a dit qu'il voulait absolument jouer pas là. Prêt. Oui. Ah bah ça va rester sur la scène dans ce cas. Du coup ouais, ça reste sur la scène. Ça reste en défense. Y'a rien qui bouge. Formal qui fait pas le relou, ça me dégoûte. Ok. En plus j'aime pas Ascent, enfin j'aime bien mais pas trop, enfin genre c'est ça. Ouais, j'aime pas du tout, je déteste ce complet. Moi c'est ok, cher. Attends, je vois Formal dans le vocal d'Arty, ouais. Juste, c'est sur le site qu'on doit planter, mais est-ce qu'on peut passer par mid par exemple? Oui. Mais les deux sites sont dispo, hein. Tout mais là vous pouvez tout faire, là c'est bon, là c'est... C'est une game normale, mais en 2v2. Ok, ouais, ok. C'est juste de. Voilà, c'est un TK2 quoi. Ah, ok. Putain. Oh non, mais Formal. Non, mais il fait pas le relou. Formal, il est pas drôle. Red, qu'est-ce qu'ils vont prendre Curiali? Ça m'étonne. Donc Formal, c'est amusé à débloquer un perso pour pas le jouer. On va prendre Omen. Bah après, Formal, ouais. Joue Omen. Omen, c'est pas une mauvaise idée sur la scène, je pense. Mais par contre, Red. Surtout pour les TP et tout, c'est bien. Je comprends le choix de Formal de dire arrête de prendre Race parce que tu balances des trucs partout donc ça peut faire des dégâts. Et Ali et Arty qui gagnent leur match. Ils jouent comme hier. Hein.